l'ange numéro 24. Ahuya. Il régit du 17 au 22 juillet. Il est l'ange de la protection. Son énergie nous aide à anticiper les difficultés avec une bonne intuition pour être capable d'éviter certains problèmes ou de mieux comprendre pourquoi ils surviennent. Il nous aide à comprendre que nous sommes toujours protégés, même lors de situations qui paraissent compliquées ou difficiles. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Protection. Police, armée, avocat, juge. Avertissement en cas de danger. Honnêteté, incorruptibilité. Bloque le mal. Rend justice. Protège les exilés et les immigrés. Protège contre les voleurs et les assassins. Protège contre les forces démoniaques. Protège contre les animaux nuisibles. Protège contre les sortilèges et les maléfices. Aide à retourner au pays d'origine. Sincérité aime la vérité. Fin d'une période difficile. Bonne intuition, capacité d'anticiper, de savoir à l'avance ce qui se passera. Aide à accepter un jugement et à comprendre qu'il est en accord avec la justice divine. Active le souhait de réparer les karmas qu'on a générés. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Problème relatif à la protection. Abus de pouvoir, police, armée et ou système juridique affecté par la corruption. Difficulté à obtenir justice ou à l'appliquer. Incompréhension du sens de l'épreuve. Instabilité, incohérence, égarement. Sentiment de vengeance, persécution, punition. Fuite,
devant les responsabilités. Indifférence, froideur émotionnelle. Force démoniaque. Vie de moyens illicites, pose des gestes illégaux. Délinquant, criminel, récolte les fruits de la violence. Fraude, vol, emprisonnement. Victime de la rigidité judiciaire. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes: cambriolage, délinquance, protection en général, douce pensée angélique.